Merci Jose. Bonsoir à toutes amies qui regardent télévision Pacifique. Nous comptons rejoindre nous. Nous en direct depuis le palais législatif. Bicentenaire. Jean Saté annoncé sous antenne radio télé Pacifique. Côté que jeudi, c'est 28 juin. Côté que gagné 16 députés qui interpellent le gouvernement Lafontaine. Mais nous côté nous pour nous seulement dire que séance là, l'hypoco démarré. C'est vrai, députés ont commencé à réunir. Mais nous allons gagner plus de détails avec député Jean-Marcel Luméran, lui-même qui c'est un député interpellateur. Bonsoir député, vous en direct sur télé Pacifique, c'est un certain lieu commencé à 3h. Dis-nous, ça s'est passé, comment ça est? Nous saluons tous les téléspectateurs télé Pacifique. Nous-mêmes, effectivement, le bureau a été prévu à 3h, qui est séance pour séance spéciale qui est consacrée à l'interpellation du gouvernement d'a fête à 3h aujourd'hui. Nous autres interpellateurs, nous sommes là et à l'heure. Et nous te remettons déjà et motion d'interpellation contre le gouvernement. Nous disposons, d'ailleurs nous prenons siège déjà. Le bureau lui-même fait travail. Nous, ce n'est pas nous qui menons la séance. C'est le bureau qui doit normalement organiser la séance et les collègues de l'Assemblée qui vont venir bailler le quorum nécessaire pour que la séance soit faite normalement. Alors, moi, je voulais dire que la séance d'interpellation, c'est pas une séance solennelle. C'est pas une séance sereine. Côté que, pas pour quelqu'un voyer monter d'une part et d'autre, pour quelqu'un des faits et des actes reprochés au gouvernement et que le gouvernement sera lui-même en mesure de dire le contraire par rapport à ce que nous-mêmes nous avons constaté et si majorité ou bien assemblée qui pourra le trancher de satisfait non en position l'autre, l'Assemblée a librement décidé de issue vote. Je dis à député, nous constatons que des corps ont planté en l'autre genre, parce que nous constatons que il y a 16 députés interpellateurs qui en face gouvernement. Ça c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que effectif là, ils renforcent 16 que nous avons? Nous avons 16 députés qui prennent un acte d'engagement qui interpelle le gouvernement. Une fois interpellé le gouvernement, c'est ça qu'il faut mettre épithète et interpellateur pour nous, mais nous pas 16 députés, puis c'est pas 16 votes, nous certains que le gouvernement va le prendre compte. L'Assemblée va le décider. Même mon collègue Alfredo Duquide, nos amis, et moi m'apprécier beauté démocratie, pour être deux députés issus de même parti politique, mais à véhiculer deux réflexions différentes. Pour qui ça? C'est parce que pour moi-même et nous autres 16 députés qui font interpellateur, le gouvernement pas délivré. Et pas qu'un monde dans le pays ça qui a montré le gouvernement délivré. Il est capable de faire des actions qui font dans un espace. D'accord, dit non, un petit espace très réduit. Par exemple, il doit faire la caille un collègue, mais le pays n'a pas résidé en faire une action, la caille un collègue. C'est le pays en général qui doit être gouverné. Je vous dis, il y a un déficit de sécurité dans le pays. Si je prends les carrefours là, je ne peux pas croire que je vais lever Kounia pour me passer Matissan avec quiétude d'esprit. Or, le Premier ministre, c'est lui-même qui est responsable, n'est-ce pas, de la sécurité publique en tant que président du CSPN. Nous disons encore, il y a un problème de violation flagrante de la Constitution. Et la lettre émanant du Cour des comptes, c'est une preuve palpable, une preuve tangible, irréfutable, que ce gouvernement, que le Premier ministre, en nommant les 5 nouveaux ministres au cabinet, l'était violé la Constitution. Et pour ça, je dis, vous mettez-nous en face. Et parce que c'est nous qui avons interpellé, le fait que nous avons interpellé, c'est nous qui allons questionner. Nous n'allons pas questionner les députés. Nous allons questionner le gouvernement sur les faits à lui reprocher. Je dis, c'est qui ça et population qui a gardé carte, un vote de confiance, un vote de non-confiance? Nous-mêmes, nous sommes des interpellateurs, debout interpellé ou à coumé pour gagner un vote de censure contre le gouvernement. C'est parce qu'on dit qu'il y a des bagailles qui pas bon qu'il faut interpeller. Et chaque collègue bral agit, les a voté, le bral voté en fonction de mandant en fonction des circonscriptions qu'il représentait. Parce que si un collègue rivait voter pour le gouvernement, parce que le gouvernement délivre la caille, il faut applaudir dès demain. Il faut applaudir parce que tout député lit enquête de mieux-être pour la population qu'il représente. Mais si un collègue dit gouvernement pas délivré en quel côté, mais la Kimbel quand même, il faut que la population mande, est-ce que si le gouvernement n'a pas délivré dans la CAILI, si pas délivré dans la poche. Donc ça, c'est une question que chaque collègue a bien pour répondre par rapport à Jean Yobal positionné dans le vote. Moi, garantie... Vous avez déjà gagné près de 5 ministres qui n'ont visionné parce que nous n'avons pas recevoir de documents, les que vous même vous avez joué une nomination. C'est comment nous allons réagir ensemble avec. Et tous les collègues unanimes, la qualité de majorité, qu'elle est en minorité, vous connaissez, vous n'avez pas au même temps entrer dans l'illégalité avec le gouvernement. Donc si vous d'accord que ces ministres, leurs dossiers ne sont pas encore analysés, c'est qu'ils n'ont pas encore la qualité pour être ministre. Ils sont capables de gagner qualité
ou bien capable de compétence non, mais en fait vous avez une qualité pour engager les dépenses des dépenses publiques. Aujourd'hui ces individus nouvellement nommés dans le cabinet là, moi qu'a considéré comme des mondes cap usurper des titres, des usurpateurs de titres, ils sont capables même de demander que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement contre eux parce que ils ont posé déjà des actes de puissance publique sans que n'aient pas une qualité ni droit pour ça. Merci beaucoup, député Jean-Marcel Lumerin. Et nous gagnons tout de suite député Alfredo, lui-même qui est membre groupe majoritaire dans la Chambre des députés. Dis-nous, dans quel niveau et nous-mêmes et... Et pour interpellation. Bon, au niveau du bloc majoritaire, m'a profité saluer tous les téléspectateurs et Télescope, Télépacifique, Radio Télépacifique, pardon. Et après, à travers ça là, que le groupe majoritaire, nous sommes un nombre suffisant. Et depuis 2 heures, nous là, voyez, que nous venons répondre avec une obligation, question d'interpellation qui sont exigences constitutionnelles, un exercice démocratique que nous autres, au niveau du groupe majoritaire, nous venons répondre avec question d'interpellation pour nous participer dans une séance spéciale. Nous connaissons beaucoup de semaines, hein, il y a des membres du groupe majoritaire là, qui étaient sortis pratiquement au niveau de la presse pour exprimer frustration. Yo, et je dis à ce que frustration est déjà dissipée, c'est comment on va gérer ça? Au niveau du bloc majoritaire, nous avons une résolution que nous adoptons et que le groupe majoritaire l'a adopté, que nous prenons pour le public là au courant de lui tout à l'heure, c'est que nous faisons des recommandations avec le gouvernement, souffrir qu'on ait teneur de résolution ça, qu'il y ait des mesures que nous devons prendre. Nous pas dit que toute bagarre marchait bien, mais nous sommes conscients que le gouvernement, avec maigre recette interne qui rentre dans le trésor public là, qui travaille, que vous faites. Collègue Mensot Palé, collègue Lumerin, hier soir, je parle avec le directeur départemental travaux publics, l'Ouest, puisque mon collègue, il fait partie, nous sommes du KID, certes, et il fait partie, il est de la circonscription de Grand Gouave, et je parle avec le directeur, bon, moi, toute circonscription que l'élevé dans le département, l'Ouest, que à travers le ministère des travaux publics, il y a du travail qui a fait dans la circonscription. Il était mentionné, Grand Gouave, en travaux de route qui a fait dans la rue Tonnerre, Bois en Tonnerre, ok, qui a à Grand Gouave. Donc, au gain de travaux qui a fait un peu partout dans le département de l'Ouest, mais dans le département de l'Ouest, seulement dans le département de l'Ouest, le travail qui a fait, par exemple, la route intercommunale William Keskoff et Grissier, c'est dans l'Ouest, la route de Tomazo, la route de Léogane, Dabonne, tous ces départements l'Ouest, c'est à Thomas, à Croix-des-Bouquets, ou première, deuxième, troisième, Bellefontaine, c'est de travaux d'infrastructure, toutes ces trésor public. Donc, dit que le gouvernement n'a pas fait rien, c'est pas notre point de vue au niveau du bloc majoritaire, sauf que nous avons des recommandations, nous estimons que le gouvernement doit faire plus, nous avons des recommandations que nous allons faire à certains ministères que pour eux appliquer à la lettre et dans 30 jours, dans un délai ne dépassant pas 30 jours, que vous devez appliquer, par exemple, les fonds communaux pour que magistrats communaux arrivent à faire le projet la caillou, casé qui gagne de fonds 1 million de gourdes pour que le gouvernement décaisse dans moins que 30 jours. Vous parlez de délai, vous parlez et si vous pas exécuté un délai qui dépassé, alors qui pas dépassé 30 jours, on nous dit que nous connaissons que interpellé là, donc c'est dans 6 mois encore pour être capable d'interpeller selon constitution. Non, constitution ou pas capable d'interpeller chef de gouvernement, le cabinet ministériel dans son ensemble, mais on capable d'interpeller ministre par ministre pour voyer aller. Donc si vous comprenez bien et tous les amis qui regardent la télévision Pacifique capable d'attendre avec une autre fois que groupe majorité on va reconfirmer présence et chef primature là une autre fois. N'a reconfirmé présence, c'est le groupe majoritaire et allié. À noter que la politique gouvernement du Premier ministre a été ratifié non seulement par le bloc majoritaire, mais ses alliés également.
Merci beaucoup, député Alfredo Antoine. C'est député Alfredo Antoine, le député de Keskov. Eh bien, je suis là, il faut attendre les députés Jean-Marcel Luméran, lui-même qui sont députés interpellateurs, et autant des députés Alfredo Antoine tout, qui c'est lui-même, un groupe majorité là, qui oppose complètement avec question interpellation. Hein. Donc, dans toutes ces informations que nous jouons dans les couloirs, donc, tu as laissé un certain temps de commencer, ministre déjà là, bien que quelques graines qui poco fini répondre présent net, et n'a souligné tout pour tous les amis qui ont regardé Télé-Pacifique, gagne toujours dit un budget 2018-2019 là, qui t'a supposé déposer, parce que le président Garibaldi a déjà essayé de la presse, ou a essayé de communiquer nous ça, mais pour une raison, pour une autre, que lui dit que ministre, ça c'est apprendre nous que ministre, ça c'est blié, yon feuille qu'il tourne à chercher, qui la cause que nous, pourquoi gagne formation, nous pourquoi dire, mais combien comme qui n'a budget, mais qui ça qui gagne, mais pour le moment, on est capable d'être avec nous sur télévision pacifique et nous permettre qu'on capable vivre tout détail qui gagne, ce qui évolution qui gagne dans le commencement et séance là et jusqu'à la fin. Et merci parce que toujours fidèle à nous. Collègue numéro. Ok. Bon enfant. Thank you.
Ce sera une séance d'interpellation historique. Donc, sans plus tarder, nous demandons au secrétaire sténographe de procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Puisque nous sommes en période de Coupe du Monde, que le match commence. Monsieur le Président Bodo Gari. Présent. Monsieur le vice-président aux séances, Diramo Caleb. Monsieur le vice-président à l'administration, Amilcar Myriam. Monsieur le premier secrétaire, Jean Willer Jean. Présent. Madame la deuxième secrétaire, Alexandre Gerda Benjamin. Présente. Monsieur le questeur Bernard Annonce. Monsieur le vice-questeur Bonhomme Louis-Marie. Monsieur le vice-questeur Bonhomme Louis-Marie. Monsieur le député Adrien Fritz. Monsieur le député Alcide Audenay. Monsieur le député Alexandre Germain Fils. Monsieur le député Alsace Hubert Dieu. Monsieur le député Antoine Junior Alfredo. Monsieur le député Apollon Enel. Monsieur le député Augustin Bertin. Monsieur le député Bastien Jean-Bertol. Monsieur le député Bogé Louis Rommel. Monsieur le député Beauville Jacques. Monsieur le député Bélisère Jean-Philippe. Monsieur le député Benoît Jean-Guerrier. Monsieur le député bien-aimé A. Rodon. Monsieur le député bien-aimé A. Rodon. Monsieur le député Borgela Jean-Wilfried. Monsieur le député Bossé Jean-Robert. Monsieur le député Kabé Sony. Monsieur le député Chancy Scholzer.
Monsieur le député Charles Hervé. Monsieur le député Charles Hervé. Monsieur le député Charles Jegalvi. Monsieur le député Charles Wodney. Monsieur le député Chéri Edouanel. Monsieur le député Chéri Fritz. Monsieur le député Clairjou Jean Chavenet. Monsieur le député Constantin Peter Castin. Monsieur le député Cyprien Price. Monsieur le député Cyprien Price. Monsieur le député Daniel Hermogène. Monsieur le député de la Cruz Francisque. Monsieur le député de la Cruz Francisque. Monsieur le député d'Haïti Samuel. Monsieur le député de Ville Oudi. Monsieur le député Deronette Deus. Monsieur le député de Colline Abel. Monsieur le député de Colline Abel. Monsieur le député Destiné Pierre Jude. Monsieur le député d'Orfeuille Gandhi. Monsieur le député d'Orfeuille Gandhi. Monsieur le député d'Orismond Béonard. Monsieur le député d'Orismond Béonard. Monsieur le député d'Orsainville Donald. Monsieur le député d'Orsainville Donald. Monsieur le député Dubras Yves. Monsieur le député Étienne Jean. Monsieur le député Étienne Ronald. Monsieur le député Exantus Rénal. Monsieur le député Exinor Hermano. Monsieur le député Fanfan Philomé Hilaire. Monsieur le député Florville Elisma. Monsieur le député Forestal Jean-Marie. Monsieur le député Garnier Vickerson. Monsieur le député Jeff Yvon.
Monsieur le député Geste Yvon. Monsieur le député Guérard Guerchon. Monsieur le député Guerrier Hiverneau. Monsieur le député Guerrier Jackie. Monsieur le député Guerrier Jackie. Monsieur le député Gerville Wilner. Monsieur le député Guillaume Claude Luc. Monsieur le député Hippolyte Jean-Wilson. Monsieur le député Jacques Dulaurier. Monsieur le député Jean Asten. Monsieur le député Jean Asten. Monsieur le député Jean-Gabriel Lionel. Monsieur le député Jean Jude. Monsieur le député Jean-Philippe Quetel. Monsieur le député Joseph Fils. Monsieur le député Julien Pierre Féquière. Monsieur le député Julmis Jacques. Monsieur le député Laguerre Joseph Benoît. Monsieur le député La Tortue Jacob. Monsieur le député La Tortue Jacob. Monsieur le député Louis Frandi. Monsieur le député Louis Frandi. Monsieur le député Louis-Joseph Manès. Monsieur le député Louis Jovenel. Monsieur le député Luméran Jean-Marcel. Madame la députée Lundi Saint-Jean Marie Gladys. Monsieur le député Mathieu Vilma. Monsieur le député Mathurin Smith. Monsieur le député Borancy Freud. Monsieur le député Mercredi Jean Bénissois. Monsieur le député Milien Roger. Monsieur le député Milien Roger. Monsieur le député Moïse Jean-Michel. Monsieur le député Noël Saint Baudelaire. Monsieur le député Norzéus Patrick. Monsieur le député Olivier Winchell. Monsieur le député Olivier Winchell.
Monsieur le député Austin Pierre-Louis. Monsieur le député Papillon Wolf. Monsieur le député Parvilus Philippe. Monsieur le député Paul Lorméus Gérard. Monsieur le député Périlus Worms. Monsieur le député Petit Frère Elias. Monsieur le député Pierre Bélange. Monsieur le député Pierre-Claude Leslie. Monsieur le député Pierre Lemaire. Monsieur le député Pierre Micaler. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Premier Le Man. Monsieur le député Printemps Bel-Hiver. Monsieur le député Prophète Esaïe. Monsieur le député Raphaël Salem. Madame la députée Rival Raymond. Monsieur le député Robert Clovis. Monsieur le député Woubs Jacqueline. Monsieur le député Séphore Denis. Monsieur le député Saint-Louis Michel Jacques. Monsieur le député Saint-Jean Gérard. Monsieur le député Semerzier Joël. Monsieur le député Sinal Bertrand. Monsieur le député Sinal Bertrand. Monsieur le député Smith Romial. Monsieur le député Tanis Tertius. Monsieur le député Tanis Tertius. Monsieur le député Tardieu Thierry. Monsieur le député Théramène Gérard. Monsieur le député Théramène Gérard. Monsieur le député Toussaint Ronald. Monsieur le député Vériquin Joseph Antonio. Monsieur le député Victor Profane. Présent. Monsieur le député Ville-Paul Herman. Pardon. Pardon.
Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 107 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare ouverte la séance spéciale qui concerne l'interpellation du Premier ministre et de son gouvernement. Donc rapidement, pour fixer les règles du jeu, je vous rappelle que l'ordre du jour a été rédigé conformément à la Constitution et nos règlements intérieurs. Donc en ce sens, l'ordre du jour ne sera pas mis en débat. L'ordre du jour ne sera pas mis en débat. Donc, si, merci de distribuer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Secrétariat général, avez-vous, oui ou non, distribué l'ordre du jour? Je rappelle que c'est une séance spéciale. Merci. Nous demandons au secrétariat général de distribuer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Et je rappelle, c'est une séance spéciale d'interpellation qui ne concerne en réalité que le sujet du jour. Merci. Secrétariat général, activez-vous, s'il vous plaît. Soyez plus proactif. Merci. Donc, si vous. Thank you.
Merci.